Verbier, c'est le ski tout calibre sur un immense territoire à couper le souffle. C'est aussi une kyrielle d'activités. Parapente, luge et raquette, traîneau à chien, sans oublier la découverte des villages de la vallée. À son infrastructure moderne en montagne, s'ajoute son village à 1600 mètres d'altitude, qui témoigne d'un respect architectural caractéristique de la Suisse, avec même une touche très contemporaine. Il y a aussi, quand on regarde le village, une certaine rusticité qui est très caractéristique à la Suisse et à Verbier. Oui, exactement. À Verbier, il y a seulement 1000 lits d'hôtel sur 25 000 lits. Donc tout le reste des lits, c'est des lits de chalet. Il n'y a pas de grands immeubles. On est vraiment dans une petite station qui est aussi parfois ressemblée à une ville à la montagne. Mais on reste dans ce côté très cosy, très familial. Le village est merveilleux. On n'a jamais des grosses affluences, même si on a des pics en février ou à Noël. On n'a jamais des pics de vacances qui donnent des gros bouchons sur les pistes. Mais effectivement, pour quelqu'un qui viendrait d'outre-Atlantique, ça serait l'idéal de venir en mars ou à la mi-janvier. On va vous revoir en autre destination du genre, hein? Sûrement. T'as juste à nous dire où. On y sera. C'est un rendez-vous, c'est sûr.